Bonjour, nous sommes sur le salon Eurobois à Lyon. Bienvenue sur le plateau de Bâtisse Journal TV. Pour cet après-midi, nous allons aborder le sujet du numérique et plus particulièrement voir l'influence du numérique dans les métiers du bois. On sait que le numérique est présent depuis plusieurs années dans cet univers, mais une tendance se dessine aujourd'hui. Ces techniques innovantes ne sont plus réservées aux seules grandes entreprises. PME et artisans y ont désormais plus facilement accès. Pour en témoigner, j'ai autour de moi quatre invités. Nicolas Diguerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de l'ébénisterie pour les Compagnons du Devoir. Quelques mots sur l'Institut ? L'Institut porté par les Compagnons du Devoir. Nos travaux se tournent autour de quatre axes. Rencontre, recherche, mémoire, formation. Rencontre, recherche, c'est tout ce qui peut être affilié à la R&D d'une entreprise. Tout ce qui est mémoire, c'est capitalisation des savoirs. Et puis, formation, un petit peu la partie haute de l'iceberg, fort de toutes ces analyses des trois précédents axes pour mettre en place des formations au goût du jour au service des jeunes en formation sur le Tour de France et puis aussi des formations des salariés d'entreprise. Merci. Laurent Maziès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la filiale française de l'entreprise Bies. Quelques mots sur Bies ? Alors Bies, c'est un groupe industriel italien présent dans l'activité du bois, bien évidemment, dans la deuxième transformation du bois pour être précis. On est présent également dans l'usinage du verre plat, la pierre tranchée, les produits composites. C'est un groupe qui va clôturer l'année 2016 aux alentours de 600 millions d'euros. On est 3800 personnes. La filiale française, dont je suis le directeur général, emploie aujourd'hui 75 personnes. Elle a été créée en 1995 et devrait clôturer cette année aux alentours de 41 millions d'euros à peu près. Merci pour cette présentation. Bertrand Prévost, vous êtes gérant de Weinig France. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre entreprise ? Oui, bonjour. Donc le groupe Weinig, c'est un groupe allemand qui a différentes usines qui sont toutes situées en Allemagne. Et on est présent sur de la machine d'usinage, seconde transformation plutôt pour tout ce qui est usinage de bois massif. Et maintenant avec la marque Holzer également pour tout ce qui est usinage de panneaux à base de bois, principalement panneaux de particules. Très bien, merci. Damien Kidet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle bois chez E-Tech France. Alors E-Tech France ? Oui. Alors la société E-Tech est éditrice de logiciels de calcul de structure pour la construction bois. Voilà, c'est une entreprise française qui a 30 ans, qui emploie 15 personnes. Merci. Nicolas Diguerre, je reviens vers vous. Alors on associe souvent le savoir-faire des compagnons à la tradition, à la maîtrise du geste. Est-ce qu'on peut concilier cette tradition avec les technologies du numérique ? Oui, bien sûr, les technologies du numérique sont quand même au service des métiers. Donc la technologie, il faut savoir la manier, il faut savoir l'utiliser. Et donc, il faut connaître les bases du métier, chose qu'on retransmet dans nos formations. Et bien sûr, faut pas passer à côté de la réalité économique. Ces produits existent et nous en faisons aussi la formation autour de la bonne pratique justement et dans le respect des règles de l'art des métiers. Alors chez les compagnons, on s'intéresse plus particulièrement à quels outils ? Alors on est aussi bien dans les outils de production comme nos confrères ici sur la machine de production, des centres d'usinage et tout ce qui est machine à commande numérique, mais aussi tout ce qui est partie logiciel métier, puisqu'on est aussi bien de la conception jusqu'à la fabrication, tous les outils numériques qui touchent de près ou de loin à nos métiers dans la filière bois. Est-ce que ce sont des outils qui sont plus accessibles qu'auparavant ? Comment vous voyez l'évolution ces dernières années ? Alors c'est vrai que ces outils sont beaucoup plus accessibles pour les entreprises de par le prix. On voit que ce n'est plus des outils qui sont spécialisés pour l'industrie. Ça arrive aussi dans les entreprises artisanales. Et puis aussi, il faut dire que aussi bien les développeurs de logiciels que les fabricants de machines ont mis comme un point d'honneur à faire des softs un peu plus ludiques et accessibles. Il n'y a pas besoin de passer par de la programmation ISO qui est un peu imbuvable. C'est un peu plus facile d'accès, dirons-nous.
Alors justement, vous avez établi un partenariat avec l'entreprise Biès. Justement, c'est un peu votre rôle de rendre accessibles ces nouveaux outils. Alors c'est complètement notre rôle, si on veut les commercialiser surtout. Ben voilà. Voilà. Donc nous, on est né en 69, on est producteur de centres de minage, on est né dans le perçage. C'est clair que la commande numérique, elle existe depuis les années 85 dans l'activité du bois. Au départ, ça s'adressait à des gens un peu à l'élite de la profession, parce qu'il fallait savoir les piloter. Mais assez rapidement, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus, même on a un peu vulgarisé la tête 5 axes, donc des usinages complexes, sur la PME et sur la TPE. Le partenariat qu'on a cherché à avoir avec les Compagnons du Devoir, c'était justement qu'ils deviennent le porte-parole de ces petites entreprises qu'ils représentaient. C'était le savoir-faire, le travail à la main d'excellence, on va dire. C'était montrer que ces machines étaient accessibles à cette catégorie d'entrepreneurs. Il est clair qu'aujourd'hui, la commande numérique ouvre des aspects et des possibilités relativement incroyables et presque infinies à qui veut vraiment s'impliquer dans cette activité. Quand on parle de software, nous, on a développé une gamme de logiciels B-Solid où on fait des ventes packagées avec notre machine, on propose le package complet. C'est clair que la plus belle démonstration, c'est quand on avait installé le centre d'usinage au centre d'excellence de Muison, assez rapidement, c'est-à-dire moins de 8 jours après, ils étaient capables de faire des pièces en forme, en évolution, en utilisant un 5 axes, alors qu'ils n'avaient jamais utilisé un logiciel de ce type. Donc ça montre bien que c'est très accessible. Oui. Il y a d'ailleurs des démonstrations qui sont faites sur votre stand Aérobois. Oui, pour revenir un peu sur ce que disait Laurent, effectivement, quand on a la connaissance du métier, encore une fois, ce sont des outils au service du métier. Donc, en ayant la connaissance, il reste assez aisé, c'est un grand mot, mais avec un peu de bonne volonté, on peut arriver à dompter un peu ces machines. Et puis, effectivement, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant sur notre stand, sur Eurobois, où on a mis en avant justement une série de pièces montrant un petit peu les possibilités d'utilisation de centres d'usinage, aussi bien sur la créativité d'assemblage que sur la réalisation de pièces complexes courbes ou que de la sécurité d'usinage par le biais d'usinage de moulures sur pièces cintrées qui peuvent être dangereuses au quotidien avec des machines traditionnelles. Et puis aussi sur la facilité d'accès, notamment par le biais de fichiers en open source, justement sur un petit peu la collaboration créative où les designers laissent accès à des fichiers pour pouvoir réaliser par la suite leur réalisation en libre de droit, quoi. Donc on arrive dans une vision différente de la propriété intellectuelle et c'est des choses qui sont intéressantes. Bien. Bertrand Prévost, qu'est-ce qu'on fait dans le numérique chez Vainig? Eh ben, sur l'aspect commande numérique, là, je souscris complètement à ce qui peut être expliqué par mon confrère de Biès. Mais à mes yeux aussi, le numérique ne va pas se limiter simplement à la commande numérique. Là, je vais peut-être plutôt parler de la partie bois massif, où effectivement, si on parle de numérique en tant qu'ordinateur, en tant qu'avoir une machine qui a une capacité de prise de décision, ça fait finalement très longtemps que ça existe dans des tronçonneuses d'optimisation, où on vient simplement passer des planches dans une machine. On a aidé la machine à identifier l'endroit où il y a des défauts à éliminer. Et la machine va décider seule, prendre des décisions avec un ordinateur pour éliminer ses défauts, sortir des longueurs qui sont vendables, qui correspondent à notre marché. Donc le numérique, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Ce qu'on voit apparaître en revanche aujourd'hui, c'est toute une capacité, et donc nous on travaille beaucoup là-dessus, et parce que c'est un service qu'on peut apporter, collectionner énormément de données de production aux différentes étapes de la chaîne de valeur dans les ateliers de nos clients, pour être capable d'anticiper tout un tas de choses. On va être capable de savoir qu'il y a certains outils qui vont devoir rentrer à l'affûtage parce qu'ils ont vu une quantité de mètres linéaires qui fait que ben, voilà, on peut préparer l'affûteur à récupérer les outils. Le numérique va nous permettre aussi d'être certain que la première pièce qu'on produit est bonne, elle est vendable, elle a la qualité qu'on veut. On atteint des quantités économiques de lot de 1, c'est-à-dire que on fabrique une pièce, on est rentable à la fabrication d'une seule pièce, on n'a pas besoin de faire des séries. Tout ça, c'est le numérique qui va nous le permettre. Et après, un gros intérêt aussi de la numérisation des machines, mais dans le sens où on va mettre de l'informatique dedans, c'est la flexibilité. C'est la capacité à, parce que globalement en France, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, j'ai besoin de sortir une commande plus rapidement que ce que j'avais prévu, j'ai un client qui m'a appelé, qui a un chantier qui est en retard,
je lui produis immédiatement ce qu'il veut, je le livre tout de suite et je suis du coup capable de lui vendre ce produit la plus cher. Je peux faire de la marge grâce à ma réactivité. La réactivité, la flexibilité, c'est un des gros atouts que va nous apporter le numérique. Alors, chez E-Tech, qu'est-ce qu'on fait exactement avec le numérique ? Alors, nous, on baigne complètement dans le numérique. On est numérique par définition. On ne produit pas, on simule. C'est-à-dire que, alors autant le numérique peut effectivement aider à maîtriser à l'instant T en pilotage de machine, il sert évidemment aussi beaucoup, et peut-être de plus en plus, à se projeter dans l'avenir, dans la bonne opération, la bonne réalisation des objets et des constructions plus généralement. Donc nous, on travaille avec nos logiciels de calcul de structure à appréhender au mieux en fait la conception de la structure pour qu'elle réponde aux outrages de la nature, hein, c'est-à-dire dans le cadre, pour le temps de vie pour lequel elle est conçue, oui. Qui est en général 50 ans de période de retour. Voilà, et donc au-delà de ça, le numérique, nous, ce que l'on en voit aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui permet de faire des structures qui sont beaucoup plus complexes, très clairement, parce que la projection est très importante, elle est essentielle pour la maîtrise de ce qui va être fait et de ce qui n'avait jamais été fait avant. Je pense à l'Aqualagon, par exemple, je pense au pavillon de l'exposition universelle de Milan, à des structures très complexes dans lesquelles, d'ailleurs, pendant le temps d'études numériques, on découvre des problèmes, des problèmes de conception qu'on n'aurait pas envisagé autrement sur le stade de Nice, par exemple. Mais voilà, ça permet d'anticiper et d'éviter les problèmes. Ensuite. Absolument, mm-hmm. Oui. Donc, à qui s'adressent vos outils ? Nos outils s'adressent de façon assez large à tous ceux qui sont amenés à fabriquer avec du bois, voilà, et qui sont concernés par, mais c'est le cas de tout le monde, heureusement, j'ai envie de dire aujourd'hui, par la sécurité. Voilà. Aussi, c'est-à-dire c'est un aspect important. Voilà, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on travaille à mettre à disposition des outils qui permettent de garantir la sécurité au stade amont, en fait. Donc, le numérique n'aurait que des avantages. Est-ce qu'il y a des limites ? J'ai envie de vous demander ça, Nicolas Diguerre. Alors, les limites, souvent... Vous qui travaillez quand même avec l'humain, avant tout. Oui. Les limites du numérique, ça va être le temps, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le champ des possibles est infini. Ça permet de refaire des choses qu'on faisait plus, puisque c'était trop de temps de main-d'œuvre et ainsi de suite, mais c'est aussi du temps de programmation par les outils, et c'est le temps d'adaptation de logiciels de métier, soit de calcul, de dimensionnement, ou alors des logiciels 3D ou des logiciels encore de programmation. Donc c'est du temps. Aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises, on est dans une période charnière où il y a encore les machines traditionnelles, donc il y a un cap à passer. Ceux qui utilisent les machines traditionnelles avec l'outil informatique, des fois la barrière est loin. Allumer un ordinateur, des fois, c'est pas toujours simple. Donc, ça dépend. Souvent, le temps d'adaptation peut être un peu long, mais encore une fois, avec de la volonté, on peut y arriver. Donc, les contraintes, j'ai envie de dire, c'est où on se les finalement, fixe. Finalement, il y en a peu, oui. Comment vous voyez ça du côté des industriels ? Si je raisonne là-dessus, quelle est la limite du numérique ? Après, il nous appartient aussi à nous, en tant que constructeurs. Si je dois imaginer, par exemple, une machine sans électronique, pour certaines machines, c'est certain, c'est pas possible. Quand on parle d'une défonceuse à commande numérique, si l'électronique est complètement... on devait se passer de l'électronique là-dessus, c'est pas possible. En revanche, sur une machine traditionnelle... il appartient aux constructeurs, aux fabricants de machines, d'essayer de se débrouiller pour que ce soit une assistance au réglage, pour que ça aide. On va gagner en effectivité. Mais si jamais, erreur de manipulation, un bout de bois traverse, ça arrive, hein, un chariot élévateur qui passe à peu près d'une machine, un bout de bois qui traverse un écran, si la machine a été conçue dès le début pour pouvoir quand même fonctionner avec la manivelle, ça fonctionne. Donc même la limite du numérique, j'ai la chance d'avoir des machines qui sont robustes à la panne complète de leur électronique, mais plutôt pour de la machine, en effet, je pense à de la moulurière, des machines traditionnelles pour le bois massif. Une défonceuse à commande numérique sans électronique, c'est pas possible. C'est pas envisageable à mon sens. Laurent Mazias, un point de vue là-dessus ?
c'est difficile de parler de nos limites, on n'a pas beaucoup, c'est un petit commerçant. Non, les limites sont des limites capacitaires très souvent. Il est difficile de, parfois de donner un conseil, surtout si c'est un premier investissement, parce que les machines, elles ont bien évidemment des capacités, soit dans la longueur, en axe des X, en Y, et surtout quand on parle de 5 axes, sur la hauteur, dans le Z. Et bien évidemment, plus on augmente ses capacités X, Y et Z, plus la valeur des machines augmente. Plus on augmente la capacité de ces machines, plus on peut faire des réalisations relativement intéressantes. Ça c'est une des limites, j'ai envie de dire, une contrainte d'achat de nos clients, surtout en premier investissement. Damien Quidet, comment vous voyez les choses dans l'avenir? Quel avenir pour le numérique? Vers quoi on va évoluer? De façon très sereine, de toute façon, puisque le numérique est une aide avant toute chose. Alors l'une des limites, c'est peut-être de trop lui faire confiance à un moment et de se projeter dans l'erreur, en fait. C'est-à-dire que malgré tout, quand on fait du numérique, on est l'auteur du futur qu'on entrevoit, si vous voulez. Et si on fait une erreur au moment de faire du numérique, on va obtenir un résultat sur lequel on a très envie de croire, mais qui en fait va malheureusement s'avérer inexact et ne pas se vérifier dans la vraie vie. Donc il est important d'avoir une maîtrise évidemment du numérique, une bonne formation sur la partie numérique, et de savoir également quel est le rôle de l'utilisateur, c'est-à-dire quelle est la responsabilité que l'on a et quelles compétences on doit avoir pour ne pas trop courir le risque de se faire raconter n'importe quoi par un résultat numérique qui est toujours en projection de l'avenir. Maintenant, on entend beaucoup parler du BIM, ce qui n'est pas nouveau. C'est, pour en dire deux mots, c'est en fait donner un nouveau nom de baptême à l'interopérabilité, à l'échange de données entre tout le monde. Bon, c'est évidemment la force du numérique qui aujourd'hui permet d'espérer que ce soit possible et profitable pour tous. Très bien. Un mot de conclusion peut-être, Nicolas Diguer? Oui. Sur l'avenir? Sur les perspectives, sur ce que vous projetez chez les compagnons dans ce domaine? Oui, nous, on prévoit de belles choses. On est confiants dans l'avenir. On voit ici et là, de par le placement de nos jeunes dans les entreprises, que toutes nos formations se font en alternance. Donc, aujourd'hui, on a réussi cette année un bon placement pour les apprentis. Tous nos jeunes en formation sur le Tour de France sont placés en entreprise. Donc, ça veut dire que les entreprises ont confiance en l'avenir puisqu'ils embauchent des jeunes en formation, donc ça veut dire qu'ils sont confiants et puis qu'ils ont confiance en nous aussi, certainement. Et donc, ça, il n'y a que de belles choses. Après, c'est sûr que le numérique ouvre le champ des possibles, donc à nous de dompter ces nouvelles technologies pour en faire des belles choses, j'ai envie de dire. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Merci à vous. Merci.